Wow, ça ressemble à une belle météo, ça. Et si on allait voler? Alors le plus dur, c'est pas nécessairement de voler. La partie difficile, c'est de se rendre là-bas quand t'as pas de voiture. Et voilà, maintenant on est à l'atterrissage de Doussard. C'est là où on vient s'entraîner pour faire du gonflage. Et c'est là où on atterrit surtout quand on vole, ce qui est vraiment pas mal. Ça aide. L'atterrissage est super grand. Évidemment, il y a des buvettes et de quoi manger, et toutes les petites maisonnettes pour les biplaces. Et le déco, il est juste en face. On voit qu'il y en a plein qui sont en train de se mettre en vol là-haut. Une grosse grappe qui est en train de se former et ils jouent tous avec le dynamique. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est le van qui est juste en face. C'est celui qu'on va prendre pour monter à la navette. À droite.
bizarre ici, il faut quand même connaître. Avec les vents, toutes les montagnes qu'il y a partout, un peu particulier. On va s'éloigner de la montagne. Safety first. Je trouve que ça remue pas mal sous les là. Hein. De traverser le lac, parce que si j'arrive pas à rejoindre l'atterrissage avec mon char d'assaut là, on va se poser dans un pré et ça me fait pas trop kiffer devoir marcher. Peut-être que j'ai une ou deux bulles ici. D'avoir une petite villa à Doussard avec la piscine. À 1 million la villa. Pas prêt de l'acheter moi. Profitez-moi de cette jolie vue là. On est pas bien là, regardez-moi ça. Petite rivière pour les pêcheurs. La vie. La vie, ça tourne tout seul. On va prendre quand même la commande quand même. On va le con. Joli petit moteur de galop aussi. Alors là, du coup, on va chercher. Le vent est toujours du même côté pour se poser.
tontinaise vu que c'est un gros char d'assaut. Ouais, je vais galérer à me poser à latéraux. Calme-toi, passe-toi mon garçon. Et voilà. Easy peasy. Ouais, on voit que le vent est un peu fort. Hein. Et qu'à voir mon parapente, t'as envie de redécoller. Bon, ben voilà. Le petit vol tranquille. Quelques petits cisaillements en vol quand même. Quelques petites bulles d'air chaud. Mais... c'était bien. Voilà, c'était limite pour moi. Il fallait pas que je reste une heure de plus, sinon ça aurait été des conditions thermiques un petit peu plus sportives avec ma vieille voile. Ça l'aurait pas fait. Voilà, maintenant c'est le pliage de la voile. Retour à la maison, parce qu'on va pas refaire un vol aujourd'hui, parce que ça devient trop costaud. Puis voilà. Hein. Hop, il n'y a plus qu'à marcher jusqu'au bout du terrain pour pouvoir plier le parapente. Hop, on enlève le casque. Voilà, voilà, petit vol qui a dû durer, je pense, 10 minutes, pas plus. Mais bon, hein, l'important c'est de se faire plaisir, de s'y remettre doucement. Et puis voilà, en attendant de changer de voile pour voler un peu plus dans des conditions fortes. Voilà, profiter de la magnifique vue. Doussard, aussi appelé Charles de Gaulle. Voilà, voilà,